Bingo, tralala, m'a dit, dans les premiers chants, il faut que ça cesse. Certains de nos hôpitaux de nos jours, ça fait peur, oui. Certains de nos cliniques, c'est le sauvé qui peut. Tu es malade, tu n'as pas l'argent, tu vas mourir, oui. Tu es enceinte, tu n'as pas l'argent, tu vas mourir avec ton bébé. Et quand même tu accouches, on va voler. On va voler. Et quand même tu accouches, on va voler. Insécurité, il faut que ça change, oui. Insécurité, il faut que ça change, oui. Il faut que ça change. Toute âme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Toute âme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Je suis le crayon de Dieu. Le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Je suis le crayon de Dieu. Le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Mon petit nom, c'est Poussin de Dieu. Le Poussin de Dieu reste l'enfant de Dieu. Le petit nom que j'ai, c'est le Poussin de Dieu. Ouais, le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Toute âme forgée contre moi sera nul et sans effet. Tout ce que vous concoctez dans la maison-ci, ça sera nul et sans effet. Envoyez vos flèches au nom de Jésus, ça dévie tout. Vous faites tout pour concocter des choses contre moi. Sachez que ça n'aura jamais d'effet. Tout ce qui concocte pour comploter contre moi, vos... Infirmier chef. Comment non? Tu vois comment le cantique de l'Éternel est fort? Encore quoi? Je chante les louanges. Ça, tu laisses ce que tu fais derrière, tu viens t'asseoir ici. C'est par rapport à quoi? Moi, je ne suis pas venu ici pour les problèmes. Je suis venu en paix. Tiens. Moi, je ne veux pas les problèmes avec toi, s'il te plaît. Tiens, petit, que tu me diminues beaucoup. Tu te diminues? Oui, tu me diminues. Il y a quelqu'un qui me diminue ici, c'est toi. Tu ne respectes pas mon... Attends. Tu ne respectes pas mon expérience. Depuis que je suis entré ici à l'hôpital, tu as maigri. Je te diminue comment? Tu me diminues beaucoup. Elle maigrit. Je veux diminuer. J'ai enlevé quoi sur toi? Passe ton temps à vouloir me diminuer, à me réduire. Respecte au moins ce l'âge que j'ai, petit. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive, toi. Moi, ce que j'essaie de faire ici à l'hôpital, c'est d'essayer de te raisonner, te mettre sur le chemin. J'essaie juste de te faire voir les choses en clair. C'est de te montrer le bon sens. Je fais tout pour te montrer que voilà le chemin qu'un médecin qui se dit responsable et soucié de la vie des autres doit faire. Voilà tout ce que j'ai fait pour toi. Moi, j'ai fait quoi de mal? D'abord, moi, je suis venu pour le problème. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu là en paix. Tu fais quoi? Tu t'es rendu compte du bouleversement qu'il y a ici à l'hôpital? Petit, je vois, mais je suis l'enfant de Dieu. Je vois tous les Mi'kmaq, ils sont en réunion depuis, non? Depuis le matin, il y a au moins 4 réunions, c'est la DAF là. La famille directrice administrative financière là, non? C'est elle qui m'a raconté que il y a 2 nouvelles infirmières que le bout a recrutées. J'ai dit, mais lui toujours il a dit qu'il n'a pas l'argent pour nous payer. Donc lui n'a pas l'argent pour s'occuper de nous, il recrute encore 2 personnes pour augmenter sur l'effectif. Bon, ça ne sent pas bon. D'accord. Même s'il faut manger, il faut venir chez moi, je vais te garder au moins ça. C'est une garantie, je vais te garder. Voilà, ok. Ça tombe bien. Tout à l'heure, j'ai demandé à Ndongo de t'appeler, surtout toi, Fingon. Elle m'a fait savoir que vous vous occupiez des patients. Donc, j'ai siégé avec les autres. Hein? Elles sont... Venez là, s'il vous plaît. Voilà. Ces 2 demoiselles que vous voyez, elles font partie de l'effectif de la clinique. Elle travaille désormais avec nous. Avec vous. Ce sont vos collègues. J'ai trouvé normal de renforcer l'effectif du personnel. Voilà pourquoi j'ai fait venir les 2 dames. Elles sortent fraîchement de l'école. Elles sortent de l'école. Donc elles sont appelées à travailler avec vous. Toi, tu as 15 ans d'ancienneté ici. C'est 15 ans d'expérience. Tu as 5 ans. C'est déjà une bonne chose. Donc, elles sont sous votre responsabilité.
Quant à vous, je vous demande la soumission et la rigueur au travail. L'école et le terrain, c'est deux mondes différents. Soyez soumises à vos deux collègues qui sont comme vos patrons pour qu'ensemble vous travaillez. L'école et le terrain, c'est deux mondes différents. Elle, c'est mademoiselle Nelly. Lui, c'est Oya, c'est le médecin-chef de la clinique. Lui, c'est monsieur Fingon, Fingon Tralala. Elle, c'est mademoiselle Akere. Voilà. Bonjour, monsieur. Je veux un bon rendement. Donc, vous travaillez déjà ensemble. Merci. Bienvenue à l'hôpital. Merci beaucoup. Oh, quoi? Je rêve ou quoi? Ah, Lisa, tu rêves, tu quoi? Je connais la brune là. Ah, papa, il... Je connais la brune là. Non, tu rêves, grand, tu rêves. Écoute-moi, tu connais la brune là où? On dirait que c'est une jeune fille qui sort de l'école des infirmiers. Toi? Tais-toi, bof. Tu es allé à l'école. Voilà! Voilà! Mamie Bogde Bogde, c'est elle! Une infirmière qu'on appelle Bogde Bogde. Tu racontes n'importe quoi, dis donc. Arrête de faire des histoires là. Oh, les malades sont finis. Oh. Je connais la fille là. Tu la connais où? Tu la connais où? Vous êtes venu où? Un jour, quand je parle, parfois, il faut fermer ton clapet. Hein. Quand tu me vois parfois parler, ferme ton clapet. Tu parles de quoi? Tu dis que tu connais quelqu'un. On te dit que tu connais la personne où? Tu ne parviens pas à dire. Attends. Tu connais la personne où? Voilà, il y a un malade qui vient. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue à Tini, sauf qu'il peut. Je me sens pas bien. Mais qu'est-ce que vous avez? Je sais pas. C'est comme si on m'empoisonnait. Empoisonné? Oui. Non, monsieur. Vous avez pris quand même un antalgique? Ça fait 10 ans, madame. Je suis pas tombé malade. Ça fait 10 ans. Je suis jamais allé à l'hôpital. 10 ans? Aïe, oui, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Non, mais il faut souvent venir régulièrement faire un check-up. Madame, quand je suis pas malade, je viens à l'hôpital faire quoi, madame? Non. Allez-y, on va consulter. Venez. Venez, on regarde ça. Pardon, madame, allez me consulter. Non, si vous voyez que je veux déjà partir, pardon, vous me laissez d'abord aller faire mon testament. Non, ne soyez pas pessimiste. Venez. Ne pensez pas à la mort, ça ira. Ok. Ça va. Bonjour. La petite là, qui est intégrante. Comment elle allait recevoir le malade? Non, c'est le départ. C'est le début. Elle vient d'arriver à la clinique, sinon. Elle vient d'entrer à la clinique, je ne te j'aime pas. Ouais, toi aussi. Quand tu... La façon dont elle se comporte, même sur son visage, c'est une bonne collaboratrice, j'ai l'impression. Tu sais, quand tu vois les nouvelles petites qui viennent d'arriver comme ça, tu n'as pas de charme, non? Charmant, papa, quoi. T'as pas de charme, non? Tu crois qu'il fait les choses que tu fais là? Non, on m'a apporté à boire là maintenant. D'accord. Ok, merci beaucoup. Tu me remarques, non? On se connaît, non? On se connaît, ne fais pas comme tu ne me connais pas. C'est toi. Ah, oh, ah, mamie, bordé, bordé. C'est toi. J'ai bien dit que mon impulsion ne me trompe pas. Oh, écoute très bien ce que je vais te dire. Toi et moi, on ne se connaît pas. Tu as suivi les cas. Toi et moi, on ne se connaît pas. Si tu tentes d'ouvrir ta bouche ou pour dire quoi que ce soit mon sujet, ce qui t'a fait récemment là, ce petit, la foi, c'est pour te montrer le wonderful dont tu mets dans ton cerveau, qui c'est Nelly. Parce que tu ne connais pas ce que j'ai fait pour être ici, ni comment j'ai fait pour avoir ce diplôme. C'est Nelly dans ton cerveau. Tu as suivi? Tu tentes d'ouvrir ta bouche. Dis bien que tu tentes d'ouvrir ta bouche. Comme je t'ai dit, donc tu la fermes. C'est Nelly. Bourdieu. C'est toi, je te le connais.
C'est qui? Tout dit non. Tout dit non. J'ai vu comment il était en train de vectoriser là, c'est qui? Oui, les malades sont finis dans l'hôpital ici. Je suis mort dans l'hôpital. C'est qui? Explique-moi non. Oh, je suis mort. Je suis mort dans l'hôpital ici. Explique-moi aussi ce qui se passe. Tu fais ça à une mais sauf que ça t'a mis. Tu fais ça à toi, sauf que ça ton père. Tu fais ça à un enfant, sauf que ça ton fils. Tu fais ça à un homme, mais si on te fait ça, oh. As-tu pensé? As-tu réfléchi? Insécurité, oh, et il faut que ça change, oh. As-tu un cœur, oh? Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Mais les morts, ça change. Il n'y a plus de sécurité nulle part. Il faut que ça s'arrête. Alors, monsieur, ça, ce sont les médicaments. Hein? Ce sont les médicaments. Ne partez pas avec. Pourquoi je fais quoi? Ne partez pas avec. Je pars avec. Ce sont mes médicaments. Mais je te dis oui. Moi, je ne vous connais pas. Oh, j'ai ta maladie, tu sais maladie. Je ne te connais pas. Oh, oh, oh. Je vais te dire les médicaments. C'est quoi? Pardon, je ne me tue pas. Je n'ai pas encore fini mes soins, monsieur. Je vais te dire les médicaments. T'es quoi? Je vais te dire les médicaments. Reste à qui? Reste à qui? Vous voulez me tuer? Je vais te dire les médicaments. Ouais. Mais voleur, je vais te dire les médicaments, voleur. Avec qui voleur? Je me dis médicaments voleurs. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites avec ce plateau? C'est quoi ça? Remettez ça. Vous sortez d'où même? Qu'est-ce qui se passe? Ça commence tout, hein? Ça commence tout. Mais monsieur, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends pas mon sommeil. Hein? Je l'ai vu en train de sortir avec mes médicaments. Moi, je ne le connais pas. Mais monsieur, attendez, un doyen comme vous, hein? C'est ce que vous faites ici? C'est ce que vous faites ici? Vous êtes venu chercher moi, c'est votre patient. C'est votre patient. Mêlez-vous de votre couloir. Tu crois qu'il ne veut pas? Que chacun respecte. Attendez, je viens d'abord, avant que vous voliez mes médicaments. Pardon. Vous dites, alors vous n'avez pas pitié de ce patient? Tu parles pas tant qui? Hein? Je dis bien, respectez votre couloir. On va s'arrêter. Tu connais mes tontines. Tu viens d'arriver ici. Je n'ai rien à foutre de vos tontines. Vous respectez votre couloir. Un patient, vous n'avez pas pitié de lui. Vous faites pas dans ce blanc. C'est le vôtre. Vous n'avez pas venu ici. Monsieur, mettez-vous à la porte. Quoi? Sortez. Tu vois, tu vois. C'est comme ça que ça passe ici. C'est quoi ça? Calmez-vous, ok? Soyez sérieux, vous vous reposez. Je vais chercher un jeu contrôle, ok? À peine arrivé, nouveau patient, il vient. C'est comme ça que ça se passe ici. Fais cet entier de bien de lui, on est obligé de venir voler. Quoi? Allez, là, on va. Il peut me chanter. Il faut que ça cesse. Ça fait peur, oui. C'est un de nos cliniques. C'est le sauvé qui pue. Tu es malade, tu n'as pas l'argent. Tu vas mourir, oui. Tu es enceinte, tu n'as pas l'argent. Tu vas mourir avec ton bébé. Et quand même tu y accouches, on va voler. On va voler. Et quand même tu y accouches, on va voler. Insécurité, il faut que ça change, oui. Sécurité.